Alors, panorama HDR, panorama, poum, HDR. Qu'est-ce que quoi? J'ai shooté en Écosse en balayant de gauche à droite pour me faire des beaux panoramas. Quand c'est fini, ça donne, ça peut donner ça. Ok? Donc j'ai bracketé. Donc en gros, je prends deux images. Donc, je vais essayer de trouver le début. Voilà, ça et ça. Ok? C'est une image dite bracketée, c'est-à-dire une version sur X, une version sous X. Le but, c'est de concaténer les données pour en faire du HDR, donc High Dynamic Range, donc plage à haute étendue, je ne sais pas comment on le traduit en termes photographiques français, mais c'est plage de haute étendue dynamique, même plutôt. Bon, HDR. Chez Canon, le bracketing se fait par défaut à trois vues, sous X, sur X, médiane. Bon là, pour gagner du temps et de la place, j'ai pris sous X sur X. C'est le plus intéressant. C'est-à-dire en gros, j'ai du détail dans le ciel et j'ai du détail dans les ombres. Ok? Donc là, sur celle-là, ici, là, j'ai pris du détail dans le premier plan et dans l'autre, j'ai du détail dans le ciel. Si je concatène ça, j'obtiens un HDR. Ça, c'est pas une nouveauté. C'est-à-dire on prend les deux images et on fait clic droit et on dit fusion de photos HDR. Et on peut même dire aussi de tout prendre. Parce que vous voyez que du coup je balaye de gauche à droite, donc là j'ai la gauche de l'image, on avance dans le paysage, et on peut aussi en faire un panorama. Donc tout ça c'est pas nouveau, de pouvoir faire du HDR, ou de faire du panorama, ou de faire du panorama HDR, ça c'est pas nouveau. Il y a un truc par contre qui est nouveau. On va prendre les jaunes, qui sont en fait les images HDR, les images que j'ai rendues en HDR à partir du bracketing. On va en prendre, je sais pas combien il y en a, il y en a quand même pas mal, j'ai balayé sur une bonne partie du paysage. Donc juste pour vous dire d'ailleurs, faire un panorama avec 40 vues, il faut pas craquer, ça sert à rien de faire une rafale comme ça, d'en prendre 12 000, ok? Vous essayez de balayer pour que ça se chevauche évidemment, mais ça sert à rien d'en prendre 50, ça va prendre de la place pour rien. Et vu que la largeur, vous allez la voir, puisque forcément vous faites ça, donc la largeur c'est pas un problème, bah tournez votre appareil du coup, parce que comme ça vous aurez la hauteur. Ok? Donc vous balayez votre panorama avec de la résolution sur la hauteur et vous balayez comme ça. Et la largeur, vous allez la voir, vous allez juste rajouter une ou deux vues par rapport à si vous faites comme ça à l'horizontale. Et par rapport à si vous le faites en vertical, vous allez juste devoir rajouter deux vues parce que vous êtes en mode portrait, mais au moins vous aurez la matière en haut comme ça et en bas. Bref, ça c'est une petite astuce à la con pour faire des panoramas. On va assembler ça, on fait un clic droit. Donc ils sont déjà HDRisés, j'ai déjà concaténé et en plus j'ai déjà développé. Hein, parce que c'est pas le sujet du jour. Ce que je veux vous montrer et qui est nouveau et qui date de, je sais pas, 2018 ou 19, c'est récent, mais pas non plus d'hier. Donc on va faire panorama. C'est que, donc il va me créer, il va m'assembler tous ces trucs, donc normalement il fait ça très bien. Et avant, ce qu'on pouvait faire, c'est déformer les bords. C'est-à-dire qu'on disait, alors évidemment, de par la déformation optique qui ici a été minimisée grâce à mon super conseil de le tenir en vertical, parce que du coup, ça évite en fait d'avoir sur chaque côté une torsion. Là, on la minimise parce qu'on la met en verticale, elle est moins forte en haut puisqu'on a balayé un peu plus comme ça. Et accessoirement, de par la focale aussi. Hein. Évidemment, si vous faites ça à 24 mm, le grand angle, de par sa nature, va forcément vous faire une torsion sur les côtés. Mais bon, il manque de la matière là. Donc avant qu'on ait déformation des bords, qui est déjà un truc mortel, hein. C'est-à-dire que ça n'a pas d'équivalent. Capture One 22 qui est sorti en novembre et qui vient d'ajouter le HDR et le panorama, ils l'ont pas. Déjà les gars, Coca Light, hein. Vous arrivez 12 ans après la pluie, ça fait marrer ça. Non, Coca Light, c'est pas bon le Coca Light. Faut pas boire du Coca Light. Bref, ils arrivent 12 ans après tout le monde, pourtant bon, tout le monde me dit « Ah, Julien Pons, c'est un anti-Adobe, il n'aime pas Lightroom », mais je suis pas non plus, je ne vais pas faire des tresses à Capture One, cet outil de panorama les gars, c'est bien de le mettre, hein. Mais sauf que quand j'obtiens ça dans Capture One, il faut que je recadre à l'intérieur la matière utile. Dans Lightroom, depuis quasiment le début, depuis qu'on peut faire du panorama, on peut projeter en fait les pixels sur les bords. Donc il prend tout, il tire sur les bords pour tout remplir. Bon, le problème, c'est que mon image, elle est presque trop bien ici. C'est qu'on ne fait pas beaucoup de trajets là. C'est-à-dire c'est pas trop déformé. Donc forcément, quand on déforme des bords, ça roule. Ça se passe pas bien. Ça se passe bien. Si j'avais eu par contre une grosse torsion, genre je l'ai pris comme un bourrin, pas sur trépied, j'ai fait ça, comme un idiot, bah je me retrouve avec les bords qui sont vraiment complètement tordus. Donc là, si on lui demande de redresser, ça fait un truc dégueulasse. On se retrouve avec des arbres qui sont tout tordus sur les côtés, et bref, c'est pas bon. Donc ils ont en plus rajouté un outil. Donc on peut faire recadrage automatique pour qu'il fasse ce fameux recadrage automatique. Mais on peut aussi faire, hein, remplir les bords. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ben, technologie
content aware, contenu pris en compte, c'est-à-dire qu'il invente la matière d'après ce qu'il détecte, comme le fameux tampon intelligent qu'on a dans Photoshop. Et là, c'est cool. Et là, c'est vraiment cool. Donc, ça vous permet d'assembler des panoramas et d'inventer la matière qui manque sur les côtés. Donc, en gros, j'ai sélectionné mes images, j'ai fait un clic droit, fusion de photo panorama, et j'ai cette petite case, recadrage, pardon, remplir les bords par recadrage automatique. Et regardez, là, la matière sur les côtés. Voilà, il a mis un coup de tampon, il a réinventé les bouts de ciel qui manquent. Alors, on peut quand même vérifier, mais là, ça... Ah, caca, là. Ça, c'est pas bon. On voit qu'il y a quand même une rupture et qu'il m'a inventé un machin qui n'est pas dingo. Donc il ne faut quand même pas rêver, ça fait... il faut quand même passer derrière pour vérifier. Mais une fois que cette matière elle est remplie, on va lui dire de fusionner. Et du coup, alors du coup il va me produire HDR-panorama. Bon, ça ne fait pas partie des nouveautés, mais je vous le dis. On va attendre qu'il calcule. Et donc maintenant que la matière est remplie, ben, c'est pas trop compliqué d'aller chercher. Ça c'est pour tout à l'heure. D'aller chercher un petit coup de correcteur et on essaye de lui dire de corriger ce truc-là, quoi. Et alors du coup, coup de gueule, puisqu'on a le contenu pris en compte dans le panorama, pourquoi pourquoi j'ai pas le contenu pris en compte maintenant, là, pour faire des correcteurs qui soient pas le correcteur. Ça, ce correcteur-là, qui fait une fusion de texture et de luminance, c'est un correcteur qui t'apparaît avec Photoshop CS2, les enfants. Genre 2005, quoi. Commence à être chaud, les gars, quand même, hein. Donc vous voyez ce petit problème, je viens de le corriger en 3 secondes. Mais puisque vous avez amené le contenu pris en compte, une technologie qui vient de Photoshop pour me mettre les bords du panorama, pourquoi vous ne mettez pas cette technologie dans le correcteur là, puisque vous l'avez dans Lightroom? Donc je pense que la prochaine étape, c'est de corriger ce correcteur. Il est aussi moisi dans Capture One, donc tout le monde, voilà, je ne fais pas de favoritisme. Sur Capture One, il est pourri aussi. J'ai par exemple une photo que je vous amène, qu'on a utilisée d'ailleurs déjà, voilà. Celle-là, on a corrigé le voile un peu dessus. J'ai par exemple ce panneau là en plein milieu. Ça, à corriger au correcteur de base, ça va être ultra chiant. Alors, je ne vais pas me le farcir parce que je l'ai déjà montré, donc je l'ai fait dans ma photo, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait pour y arriver? Ben voilà, deux morceaux, et on voit un peu la trace quand même. On voit que ça se réplique ici. Et on ne peut pas faire autrement. Si je voulais vraiment bien le faire, il faudrait que je le fasse en contenu pris en compte dans Photoshop, en fait. Alors qu'ils m'ont montré que la technologie, ils l'avaient mise dans Lightroom. Mais bon, elle n'a pas encore fait son chemin dans le correcteur. En tout cas, grosse nouveauté, on peut donc assembler les panoramas et HDR en même temps. Ça, je ne voulais pas montrer parce que c'était pas spécialement nouveau. Mais par contre, on peut remplir les bords avec le contenu pris en compte. Donc quand on a fait des torsions, que les images sont un peu tordues, boum, il peut réinventer la matière, en particulier sur le ciel. Si vous avez des immeubles, vous faites par exemple un panorama de ville, vous êtes, je sais pas, au Trocadéro et vous visez la tour Eiffel, vous mettez au bord là et vous balayez, c'est évident que le ciel il va réinventer la matière, mais le parterre devant avec des trucs architecturaux il va pas y arriver, hein, faut pas rêver non plus. Mais ça vous fait gagner quand même pas mal de temps. Et sur un malentendu, il peut y arriver du premier coup aussi, accessoirement. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera à progresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Vous pouvez appuyer sur les boutons pour vous abonner à notre chaîne YouTube et ne rien louper de la suite. Vous pouvez aussi télécharger notre bonus gratuit. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Empara.